La culture hors sol est une technique de production de légumes et fruits qui s'adapte aux petits espaces dans des maisons d'habitation, bureaux, etc. Elle permet aux familles à faible revenu de produire à la maison des légumes et divers condiments pour enrichir les repas en vitamines et oligo-éléments essentiels pour la santé. À travers cette vidéo, nous voulons montrer que tout le monde peut produire sa propre alimentation. En culture hors sol, à part le récipient, il faut constituer ce qu'on appelle un substrat. Le substrat, il peut être de plusieurs natures. Ça peut être de l'eau, pourquoi pas, pour certaines plantes aquatiques. Ça peut être des balles de riz ou du son, des coques d'arachide. Tout ça mélangé à une certaine proportion acceptable peut constituer le substrat. On peut même déchirer des cartons qu'on met dans le récipient et être capable de faire pousser quelque chose. Utiliser les herbes sèches, pour constituer le substrat. Et nous avons commencé ici en fabriquant le substrat avec la balle de riz et les coques d'arachide. Mais nous avons eu des difficultés par moment pour nous approvisionner. Alors, nous travaillons maintenant avec les menuisiers en ramassant les sciures de bois et en constituant notre substrat. Le matériel, c'est des tables, pas forcément des tables d'un certain standing. Ces tables-là, le plus souvent, sont fabriquées à partir du matériel de récupération. Bon, on peut utiliser aussi les bidons d'huile qu'on peut diviser en deux. On peut utiliser des paniers, des canaries, des seaux, des pneus. Tout ce qui peut en tout cas contenir un milieu vivant pour la plante peut être utilisé pour faire la culture hors sol. Des récipients métalliques, nous, dans notre contexte, nous avons évité cela. Alors, et ces récipients métalliques pourraient avoir quelques inconvénients à cause du climat. Ça peut chauffer et la chaleur peut un peu abîmer la plante. Nous conseillons à ceux qui veulent se lancer dans cette activité culture hors sol d'utiliser en tout cas du matériel qui se rapproche un peu de la nature, le bois, à la rigueur le caoutchouc, c'est-à-dire les bidons, ça peut passer. Le matériel d'entretien en culture hors sol se compose d'un arrosoir, même de petite taille, pour le travail. Une simple binette permet de travailler correctement en culture hors sol. En culture hors sol, il faut prévoir le système de drainage dès la conception. Pour la table, on met un drain qui va permettre à l'eau de sortir et cette eau est récupérée pour retourner sur la table. Alors ça, c'est le cas de la culture hors sol sur la table. Mais si c'est un canari, il faut faire un trou pour permettre également à l'eau de pouvoir s'échapper. Voilà. Et dans des bacs, on fait des trous qu'on couvre avec une surface en plastique pour également permettre le drainage. Parce que le drainage est très, très important. Sinon, les graines vont pourrir. Comment produire en hors-sol? Au départ, il y a la motivation. Et ensuite, il faut d'abord rassembler le matériel, du substrat jusqu'aux semences et même aux plants que vous voulez reproduire. La préparation des conteneurs. Après avoir choisi son support, je prends le cas de la table qui est plus simple. Alors, on doit remplir cette table de substrat. Et ce substrat, c'est les coques d'arachide, les balles de riz ou les sciures de bois. Il faut seulement savoir où aller le prendre. Une fois qu'on l'a pris, si c'est les balles de riz et les coques d'arachide, on peut les nettoyer un peu
pour réduire la charge des microbes. Parce qu'il y a des microbes nuisibles. On peut les nettoyer un peu. Il faut stériliser à l'eau chaude le substrat pour lutter contre les éventuels germes avant toute utilisation. Et ensuite, il n'y a pas d'autre contrainte que de tout faire pour que ce substrat-là puisse apporter les éléments dont la plante a besoin. Après avoir rempli donc le récipient, on peut mouiller et ajouter un engrais. Ça peut être le compost. Il faut ajouter le compost quand même. Le temps que la suie de bois ou bien les coques se dégradent. Si on veut, on peut utiliser un compost liquide. Tout ça, c'est pour enrichir le substrat. Mais faites attention pour que votre substrat ne soit pas trop compact et trop lourd parce qu'il y a l'aération. Il faut même, s'il le faut, ajouter des grains des petits cailloux, du gravier comme ça, pour permettre l'aération. Il y a l'arrosage. Il faut arroser, mais avec très peu d'eau, parce que le substrat est fait de telle manière qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour arroser. Dans une famille, par exemple, on peut récupérer l'eau de rinçage des assiettes pour arroser son micro-jardin. Parce que quand on lave les assiettes, il y a l'eau savonneuse et il y a l'eau de rinçage, que ça peut même être deux, l'eau contenue dans les derniers récipients, qu'on peut utiliser. Parce que le petit savon qui va se trouver dans l'eau de rinçage est utile pour la plante. C'est l'huile qu'il faut éviter, parce que l'huile va empêcher la plante de respirer. Mais on peut mettre des plantes, telles que le moringa, dans les eaux qui sont trop sales, pour les purifier un peu, pour pouvoir les utiliser. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Après, on passe soit au semis ou bien au repiquage. Et il faut veiller quand même à ce qu'il n'y ait pas trop de compétition. Sinon, sur la table, on peut avoir le haricot. Il ne faut pas l'arracher parce que votre objectif n'était pas d'avoir le haricot. Le haricot va apporter de l'azote, par exemple. Donc, il faut veiller à tout cela. Et pour ne pas déranger trop le substrat que vous-même vous avez élaboré. Nous allons parler maintenant du suivi sanitaire. Et quand on parle de suivi, tout commence par l'observation. Il faut observer régulièrement et sa culture hors sol. Et si on constate qu'il y a trop d'herbe, par exemple, on peut arracher quelques-unes et laisser d'autres qui seront certainement en complémentarité avec notre production. Il y a le suivi mécanique qui est très important. Ce suivi mécanique consiste à ramasser ou à tuer sur place les nuisibles que nous voyons. Et on peut aussi mettre là-dessus des moustiquaires pour protéger contre les criquets, par exemple. Lorsque on constate qu'il y a d'autres nuisibles, alors en ce moment, on commence à utiliser des plantes en macération, c'est-à-dire des extraits de plantes. Et par notre expérience, dans tout extrait ici à la saisonnière, nous mettons les feuilles de nîmes, parce que les feuilles de nîmes ont un spectre assez large. Et selon maintenant le type de maladie, si c'est des champignons, on utilise le physalis, qui est une plante qu'on trouve beaucoup pendant l'hivernage. Et on fait la macération. C'est une macération que nous faisons ici. C'est pas, on n'a pas de moyens pour extraire. On fait la macération et on utilise le filtrat pour pulvériser. Et si nous constatons une résistance encore, on peut ajouter du piment, le gingembre, hein? On peut ajouter l'ail parce que ça dégage des odeurs qui répulsent souvent les insectes ou les nuisibles. Les oignons, pareil.
comme insecticide. L'huile de neem aussi, hein, pour les feuilles, c'est valable pour l'huile. Mais en plus, l'huile de neem sert d'adhésif aux produits que nous utilisons. Au regard des avantages de la culture hors sol, tout le monde peut d'abord pratiquer la culture hors sol en consommant ce qu'il a produit. Ça, c'est très important. On choisit la spéculation, on a le choix. Et en plus, on est en contact avec la nature. Ça donne en tout cas une certaine joie de pouvoir produire et de voir l'évolution de ce qu'on met. Et nous avons aussi la sécurité alimentaire. Et on peut disposer de ce que nous voulons manger à tout moment. Il n'y a pas de contraintes quand on fait la culture hors sol. Et il y a aussi le coût. C'est surtout à partir de n'importe quel matériel de récupération, on peut faire la culture hors sol. Il n'y a pas de surface, hein, quelle que soit la surface. Il n'y a pas de question de place à la maison. Hein. Dans un petit coin, on peut produire ne serait-ce que le persil, ne serait-ce que la laitue pour accompagner nos repas. J'invite à tous ceux qui veulent se lancer en la culture hors sol de ne pas hésiter, parce que d'abord c'est un plaisir. On choisit les légumes que l'on veut produire. Ça ne demande pas de l'espace, quelle que soit la surface, la dimension du récipient, on peut le faire. On n'a pas besoin d'aller acheter un seau, d'aller acheter un récipient pour ça. Et tout le monde rencontre des pneus dans la circulation. Il suffit de les ramasser pour trouver un endroit à domicile et commencer. Ce n'est pas coûteux. On produit ce qu'on va consommer. Quel plaisir! On peut également, même si on a des difficultés, on peut venir par exemple au niveau de certains jardins, tels que la saisonnière, pour avoir des renseignements et commencer. Et même les services de l'État qui peuvent accompagner ce genre d'activités pour la vulgarisation de la culture hors sol. La production hors sol est un excellent moyen pour disposer en toute saison de légumes et fruits frais et sains pour la consommation familiale à moindre coût. Pour ce faire, elle contribue à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, aussi bien ruraux que citadins.